cuisine. La manière d'être Assomption, la restructuration et la collaboration. C'est une folie de ne pas être ce que l'on est, avec le plus de plénitude possible. Sainte Marie de Jésus. Sister Honoretta, the province of East Africa. Sister Catherine, the province of Madagascar. Yeah.
Sister Marth, the province of Rwanda Chad. Sister Virginie, the province of West Africa. Pour ce CGP, la région de l'Afrique centrale a choisi comme symbole la mère qui porte un petit enfant. Cela symbolise notre fragilité et en même temps notre confiance totale en Dieu. Pendant la pandémie, nous avons eu beaucoup de cas de contamination. Cependant, Dieu nous a portés dans ses bras. Il nous a soignés, il nous a protégés et il nous a guéris. Nous espérions en lui, il nous a sauvés et notre foi a grandi. In the province of East Africa, our experience of pandemic is that of a boat battling in a storm at sea. The boat represents the world. The storm represents the pandemic, the corona, COVID-19. We are the passengers with Jesus as the captain. Several sisters were sick, some seriously, but we all survived. We believe God will continue to give us life and peace. Madagascar, un symbole qui représente l'expérience de la pandémie. Peuple de Dieu en chemin, est très uni entre les mains du Père, soutenu par son amour raison de la présence du Christ. Les dirigeants aident les peuples, les évêques nous invitent à prier ensemble sans cesse. La supergénérale et son conseil par leurs lettres nous encouragent à vivre dans la confiance et espérance dans cet événement de pandémie. Des appels et des messages qui viennent partout nous soutiennent et prient. Les plantes représentent les découvertes des médicaments qui nous préservent contre la pandémie. Le coronavirus au Rwanda alimente tout et donne vie et aide à porter du fruit. Porter ce monde bafoué dans la prière et l'Eucharistie de chaque jour pour la plupart des communautés. Partage des vivres venant de la récolte de notre jardin et de notre privation avec les voisins et ceux qui n'ont rien. Soutien venant de la communauté. Merci à Sœur Rika et à son conseil. L'Afrique de l'Ouest, un symbole, un arbre sans feuilles. Le baobab sans feuilles en saison sèche a l'air d'être mort.
mais à l'intérieur coule la sève qui lui redonnera vie. L'arbre sans feuilles représente chacun, chacune de nous, notre province, l'humanité dépouillée, confrontée à la pandémie, à ses tentations de toute puissance. L'arbre est sans feuilles, mais non sans vie, car les racines profondément enracinées dans le sol continuent à irriguer l'arbre de la sève qui entretient la vie. Dans l'arbre, tout est connecté, tout est interdépendant. C'est l'expérience du Dieu qui veille sur nous, qui a veillé sur nous. C'est aussi le symbole de la croix du Christ qui s'étend sur notre province, sur le monde. La victoire du Christ dont nous avons fait l'expérience au cœur de la pandémie. Une expérience marquée par une plus grande fraternité, un plus grand enracinement dans la foi. L'Église nous a aidés à rester connectés par la prière dans l'espérance. Forte de cette foi et de notre confiance en Christ, qui seul peut nous sauver, nous avons pu tenir. Continent of Asia. Sister Lerma, the province of Asia Pacific. Here I am. Sister Smita, the province of India. The pandemic experience of the Asia-Pacific province can be symbolized by a rainbow, a symbol of God's promise and covenant with His people. Our experiences were varied and multicolored, but when we put them together, the overarching theme is God's fidelity to His people. The experiences of the sisters can be summarized, among others, as follows. First, the pandemic enabled us to be rerouted to the essentials of our lives, prayer and community as our first mission. Second, it has enlarged our tent and broadened our awareness to become more conscious of the rest of the world in general, and the rest of the Assumption world
our province, and other provinces in particular. We have become more attentive to the news and have carried and brought all to prayer. We also were able to respond quickly to needs of other communities in the province for greater solidarity and sharing. Third, we have discovered ways of communicating that would have never been possible otherwise. Zoom, Line, Viber, WhatsApp have become indispensable means to communicate and to stay in touch with one another and with the Universal Church. This has also strengthened our sense of body. For the province of India, the symbol of the pandemic experience is an oil lamp burning in a dark room. The whole world was experiencing a kind of darkness, confusion, and hopelessness during the pandemic period. People were locked up in their own homes. The normal life was interrupted. People were frightened to meet others, even one's own relatives. No work and no earnings for many. In this situation, our communities were rays of hope and love for our people. It was like a lamp burning in the dark, giving a ray of light. The oil that posed the lamp burning symbolizes God's blessings. We were inspired to reach out to the suffering and the poor who were in need of our helping hand. We tried our best to be with them by taking the patients to the different hospitals, giving dry ration to the needy, collaborating with the immunization campaign with the government, etc. We were with the suffering people regardless of our own safety and protection. By being with them, we experienced a deep joy and happiness and learned what it means to risk ourselves to be at the peripheries for the kingdom. Continent of America. Sister Connie, the province of Central America and Cuba. Sister Angeles, the province of Ecuador. Sister Lola, the province of Mexico. Sister Judith, the province of South Atlantic. Amen.
Sister Anne Christopher, the province of the United States of America. América Central y Cuba. Nuestro símbolo es una barca que navega en las aguas. Navegamos juntas con un mismo fin. Estamos en medio del mundo, unidas a la Iglesia. Crecemos juntas, vislumbrando un mismo horizonte, Jesús y su reino. Invitadas a remar mar adentro de nuestra espiritualidad, de nuestra vida comunitaria y de nuestra misión. Navegando juntas, nos sentimos invitadas a remar mar adentro, armonizando nuestra vida contemplativa y comunitaria para el reino como respuesta a Dios, a las grandes causas de nuestro mundo hoy. Provincia de Ecuador. Un símbolo, unas manos abiertas y un árbol podado. La pandemia es sensación de un paro forzoso, obligado y lleno de incertidumbre. Todos experimentamos las consecuencias de esta tragedia inesperada y el dolor y sufrimiento por el fallecimiento de tantas personas. En este contexto, políticamente, el país fue víctima de la corrupción. Se negociaron, se enriquecieron ilícitamente a causa del dolor y sufrimiento de la gente. Todo se encontraba en pausa, los hogares convertidos en iglesias, hospitales y escuelas. Unas manos abiertas que expresan acogida, ternura y cariño en medio de una plegaria de oración constante a un Dios tan bueno que no abandona y escucha el clamor de su pueblo. En medio de todo, una luz de esperanza, un despliegue de creatividad ante la necesidad y la urgencia. El corazón humano fue tremendamente sensible. Se fortalece la fe y el sentido de la esperanza. Se enfrenta el miedo y la incertidumbre con gestos de solidaridad y cercanía en medio de las distancias. Hay entrega incondicional hasta dar la vida en medio del peligro. La palabra de Dios es el arma que sostiene y anima en medio de la desesperanza. En medio de la pandemia, una plaga que amenaza devasta la naturaleza. Es un lenguaje que habla de despojo de todo lo que el mundo estuvo acostumbrado y acomodado. Había que podar los árboles para salvar la naturaleza, como consecuencia de haber sido cortado, arrancado por la pandemia, por la plaga ecológica, imagen que habla de una realidad dura para el mundo. Despido masivo de los lugares de trabajo, inseguridad social, violencia, muerte, miedo, incertidumbre hasta el futuro. El resto es esos brotes de esperanza que surgen de un árbol podado porque sus raíces tienen vida y están agarrados a la fuente que es Dios. El símbolo que escogemos en México, entre los que han aportado las comunidades, es un barco, una estrella y una vela. Un barco en medio de un mar agitado. Es literalmente lo que hemos vivido durante la pandemia. Además, coincide con el símbolo que nos une con la provincia de Ecuador en nuestro proceso de unión.
Hemos navegado con los ojos fijos en Jesús y en María, la estrella de la mañana, en momentos inciertos sobre la vida, la situación nacional e internacional. Teníamos que detenernos en muchos momentos a discernir lo que había que hacer o decidir sin dejarnos paralizar por el miedo. Hemos releído que el Señor nos acompañó y guió, precediéndonos con su luz. Sentimos que hemos enfrentado esta crisis con gran fe, esperanza y resiliencia, y lo hemos contagiado alrededor. La Provence, Atlantique Sud, Brésil y Argentina. Nous avons choisi ces cactus. C'est une plante qui est de chez nous. Elle peut être une plante ornementale, mais surtout, elle est utile pour les soins de certaines maladies employées dans la médecine traditionnelle. Elle peut être considérée une fleur de la nuit, tige toujours verte, pointée vers le haut, fleurs blanches, nombreuses, simples. Il résiste aux phénomènes du temps, chaleur, soleil, pluie, sécheresse, froid. Étonnant contraste entre la résistance du tronc et la beauté éphémère des fleurs. Les fleurs ne s'épanouissent pas toute la fois. Chaque nuit, un certain nombre apparaît, s'ouvre, le fleur attire à l'aube des fleurs, ferme leur corolle, s'effondre et tombe. Pour nous, ça représente un peu ce que nous avons vécu ce temps de pandémie. C'est la nuit, la force de la prière, la résistance. Et le fleur qui s'ouvre, c'est l'espérance que chaque jour se présente et chaque jour on doit recommencer. C'est Dieu qui conduit tout. In the report for the CGP of 2020, the symbol of a boat was chosen to capture the sense of journey, of navigating uncharted waters, a sentiment evoked in the introduction to our provincial project. Like Abraham and Sarah, trusting in the faithfulness of God, we set out on a journey toward greater life in our province, giving ourselves without reserve to a plan which unfolds into the unknown. The symbol of the boat has again been chosen, but now the sun is rising and our boat has received a new gust of wind as it sails southward. Although we still go forward into the unknown, we are on the way together. Of Europe. Sister Dangule, the province of Sister Anne, the province of France.
Sister Cecilia, the province of Spain. Provence de l'Europe. Comme symbole, nous avons choisi des cartes postales de la communauté AMA de Newcastle, Angleterre, que les jeunes ont créées dans leur communauté pendant la période de quarantaine stricte et déposées dans les boîtes aux lettres de leurs voisins, y compris notre communauté RA. Tous les matins, ces cartes postales témoignent de la grande solitude, de l'insécurité et de la peur que tout le monde a connue, en particulier les personnes âgées. En même temps, c'est une manière créative de montrer de l'attention aux personnes âgées et solitaires qui sont confinées chez elles depuis plusieurs mois sans rencontrer personne. C'est aussi un symbole de notre recherche à tout pour témoigner et faire l'expérience de la communion dans le contexte de la distance sociale. Le symbole de la province de France. Pour symboliser notre expérience de la pandémie, nous avons choisi en CPP de présenter une Bible qui s'ouvre sur trois scènes particulières. Dans la première scène, nous voyons la visitation qui semble se faire par Internet interposé, une communication entre les deux bébés. Ensuite, nous voyons sur une autre page Marie-Eugénie et Thérèse Emmanuel qui communiquent profondément, qui se téléphonent à l'aide de leur mobile. Sur une troisième page, nous voyons des mains qui se joignent encore par Internet. Nous voulons par ces trois pages exprimer l'expérience que nous avons faite que, au-delà des séparations imposées par les confinements, d'autres solidarités sont nées, d'autres façons de prendre soin les uns des autres, empruntant d'autres chemins que la rencontre en direct, y compris un groupe de prière qui s'est tenu en ligne. Nuestro símbolo representa nuestra experiencia de la pandemia. Un mundo roto y semillas que caen en tierra, las vidas de tantas personas y de nuestras propias hermanas. Después, unas líneas rectas que representan un tiempo plano en el que el mundo se paralizaba. Tiempo de confinamiento, de frenar actividades y relaciones sociales, y poco a poco unos brotes verdes que van surgiendo. En ellos distinguimos momentos puntuales que fueron sacándonos del letargo, alguna celebración puntual, y destacamos la preparación y posterior visita del Consejo General a nuestra provincia. A partir de ahí y del misterio pascual vivido, representado por una cruz abrazada por manos de distintos colores, el mundo se recompone y se abre a la esperanza. Nuestra experiencia refleja dos actitudes de vida, el cuidado y el encuentro. Sentir intensamente la vulnerabilidad propia y del mundo le adentra a uno en la necesidad de ser cuidado y en el deseo de cuidar. Cuidar de modo integral,
y hacerlo libre y responsablemente lleva a valorar los encuentros interpersonales de calidad. El encuentro entre disciplinas, culturas y perspectivas diversas para afrontar adecuadamente la realidad sufriente y caminar hacia el desarrollo sostenible. Y la cultura del encuentro a muchos niveles de la vida social. Lectura de la segunda carta a los Corintios. Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. In the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Nous voici au début de ce carême, Seigneur. Un temps de conversion pour porter des fruits. Un temps de prière pour la paix en nous et dans le monde. Nous qui sommes rassemblés en CGP, c'est un moment favorable pour tendre vers la réalisation de nos rêves, d'exprimer par nos vies le rêve de Sainte-Marie-Eugénie. Venant des quatre coins du monde, nous avons un but à accomplir. Nous voulons collaborer à ton projet sur la congrégation.
Nous voulons, avec nos sœurs à travers le monde, répondre à l'appel d'être religieuse de l'Assomption avec le plus de plénitude possible. Que ton esprit nous aide à rester ouvertes, qu'il dynamise et féconde nos efforts. Nous te le demandons avec le Christ, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie Eugénie, priez-vous. Notre-Dame de l'Assomption, priez-vous. Assez. Pilgrim people of God, we shall now proceed to the CGP meeting room.